Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième let's play sur l'histoire de Nina et Travis, donc sur les Sims 4. Premier let's play avec la caméra, donc il va falloir que je m'habitue, mais vous allez voir que je vais pas souvent penser à regarder la caméra. Déjà d'une parce que là je regarde la caméra et là je regarde l'écran, donc voilà. Et de temps en temps je vais regarder là sur le côté parce qu'il y a le retour caméra avec le retour écran et la fenêtre d'OBS qui me permet d'enregistrer mon écran. Voilà. J'espère que le son est bon, parce qu'une personne m'a dit en fait dans les commentaires du premier let's play que le son était un peu faible, et c'est vrai, on l'a vu après au montage, mais on n'a pas pu trop régler ça. Donc là, on espère que ça ira un petit peu mieux. Et puis voilà, juste avant de commencer, je vais répondre à deux petits. Enfin, c'est pas des questions, mais je me suis dit que j'allais noter. Je suis organisée. Des personnes qui m'ont laissé des petits commentaires et je ferai ça à chaque fois si vous avez un petit conseil ou une petite question et je répondrai au tout début des petits streams. Donc là, Margot qui me dit de regarder les relations de Travis, voir s'il a déjà une autre amourette. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Donc on va faire ça de suite. Alors, j'enregistre bien, oui. Ah, j'ai pas mis mon chronomètre. Attendez. On va mettre le chronomètre parce que sinon, moi, vous me connaissez. Dans 2 heures, on y est encore, quoi. Chronomètre en ligne. C'est parti. Allez, or. Donc, les relations de Travis. Là, on est chez Travis, oui. Non, ça va. Non, il n'y a que Nina. Vous voyez, en bas, là, à droite, il n'y a que Nina. Et après, c'est ses colocs, je crois. Hein. Si on avait vu, enfin, on avait vu ça dans l'épisode dans le premier épisode, d'ailleurs, quand il a emménagé. Oula, d'ailleurs, Travis est très tendu. Ah, mais c'est parce qu'on est juste après l'incendie. Oui, parce que moi, ça fait 3-4 jours que je n'ai pas joué depuis que j'ai enregistré en fait la dernière partie. Mais oui, je me disais pourquoi il est tendu. Donc voilà, donc Travis n'a pas d'amourette. Après, je sais que Travis chez vous a des amourettes, mais bon, je peux pas contrôler ça. Et Alexouille06 qui me dit que les restes se conservent un peu plus longtemps au frigo. Et ça, je ne savais pas du tout. Alors, je vais reposer mon petit carnet. Je ne savais absolument pas. Après, je ne sais pas si je vais penser à mettre les restes au frigo. Je vais essayer, mais c'est pas dit. Voilà, ça me fait bizarre d'avoir la caméra. J'espère que vous, ça vous plaît. Alors, vous allez voir que je préfère prévenir tout de suite. Hein. Hier, j'ai fait un test sur une partie déjà existante, une partie de base dans le jeu, hein, pas sur ma partie à moi. On a fait un test avec mon chéri pour voir la fluidité de la caméra, etc., avant que j'enregistre ce matin le nouveau let's play. Et ce qui s'est passé, c'est que j'oublie carrément qu'il y a la caméra, donc ça c'est cool. Mais du coup, je fais mes mimiques comme chacun a des petits tics, je suppose, quand il est concentré ou des trucs comme ça. Donc ne vous moquez pas. Voilà, allez, c'est parti. Oui, ah bah, je vous ai pas dit. Grâce à vous, donc grâce à tous ceux qui ont pris les Sims 4 ou autres Sims, hein, mais via mon lien Instant Gaming, je vous remets tout en barre d'infos parce que les Sims 4 est entre 18 et 19 euros au lieu de 40 si ça vous intéresse. Mais si vous passez par ce lien, ça me fait environ 50 centimes sur une petite cagnotte. Et grâce à vous, j'ai pu acheter les Sims saison. Donc c'est aussi le gros truc de ce let's play. On commence, vous voyez en bas au milieu là, avec les Sims saison, c'est-à-dire que je suis en panique. Donc quand j'ai allumé là l'écran juste avant de démarrer cette vidéo, ça m'a proposé de choisir entre printemps, été, automne, hiver pour commencer la partie avec ce nouveau add-on. J'ai choisi le printemps parce que je me suis dit ça va être en douceur. Parce que l'été, d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal d'orages et tout. Et automne, hiver, bah, j'ai pas trop vu, mais je suppose que c'est des gros changements climatiques. Et le printemps, je me dis, ça va pas trop, 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 j'espère, nous changer par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et donc, du coup, il y a ce petit truc-là qui se rajoute en bas. Autour de l'heure et du jour. Donc on a le printemps jour 2 sur 7, météo actuelle partiellement nuageux, froid, et la prévision d'aujourd'hui partiellement nuageux. Et on voit que là, du coup, il fait froid, mais en même temps, il est 20h33. Voilà. Voilà. Je trouve ça trop cool. Alors on va voir un petit peu ce que ça change et tout. Je pense qu'on verra plus forcément les changements en été, automne et hiver que le printemps. Allez, c'est parti. Hop. Alors, attendez parce que je suis un peu paumée. Donc là, ah oui, il est tendu suite à l'incendie, c'est vrai. Et il se lave. Après, il essaiera de. Ah non, il peut plus se calmer déjà. Mal à l'aise, oui. Bah, on va le faire manger avant de dormir. Ah oui, regardez ce que j'avais vu aussi. Biscuits animaux. Donc jusque-là, on se dit pourquoi pas si on a des animaux, on met les petits biscuits au réfrigérateur. Mais regardez quand je laisse la souris dessus. Approprié pour les végétariens.
Voilà, donc moi, même si je ne suis plus végétarienne, mais que je suis végane, on va dire que c'est encore le level au-dessus. Mes chers amis végétariennes et végétariens, sachez que les biscuits animaux sont appropriés pour vous. Ouais, ça m'a valu un petit fou rire. Non, on va pas lui faire manger des biscuits pour animaux, on va lui faire manger... Je ne sais pas. Des céréales, il est 21 h. Oh, qui n'a jamais fait un dîner petit-déj? Ne me jugez pas. Donc, c'est parti. On va quand même avancer le temps, surtout qu'elle est dehors. Attendez, on est quel jour? Lundi. Au niveau du taf, on est où? Ah! Mais ils ont été bossés aujourd'hui? Ah non, c'était leur jour de... Ils avaient un jour de congé, je crois. Enfin, elle, oui, en tout cas. Par contre, demain, ils bossent. 10 h. Donc, lui, il faut pas trop qu'il traîne. Elle, je pense qu'elle est partie pour la nuit. Hop. Voilà. Donc, je pense qu'après le... Là, j'ai pris les saisons grâce à vous. On va avancer le temps. Je pense qu'après le prochain, c'est soit chien et chat, soit get to work, là, au travail. Parce que chien et chat, bah, je suis plus attirée par ça. Parce que bah, les chiens, les chats et tout, c'est toute ma vie, les animaux, quoi. Mais au travail, je me dis que ça peut être méga intéressant aussi. Parce qu'on peut accompagner le Sims au travail et faire des quêtes et tout. Et au niveau des let's play, ça peut être super intéressant. Donc, je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire si. Voilà, quand grâce à vous, j'aurai économisé encore des petits sous sur Instant Gaming, est-ce que vous préférez en premier l'extension au travail ou chien et chat? Comme ça, c'est vous qui choisissez. Moi, de toute façon, les deux sont sur ma wishlist, donc peu importe laquelle en premier, je serai contente. Voilà. Allez, c'est parti. On avance un peu parce que là, merci. On va le faire dormir de toute façon. Il est déjà 23 h, comme demain ils se lèvent tous les deux. Ça me pique le nez. Maintenant, il faut que je fasse gaffe, je peux plus me gratter le nez ou des trucs comme ça parce que il y a la caméra. Alors, elle va être méga reposée parce que du coup, ça fait plus longtemps. Ah oui, méga reposée, mais il va falloir la préparer vite, vite, tout bien ouvert avant de préparer un grand repas. C'est nouveau ça. Servir le petit-déj. Pancake, j'ai peur maintenant de l'incendie, hein. Je suis traumatisée. Voilà, je vous jure. Bon, elle a l'air d'avoir les compétences maintenant, donc je pense que ça va aller. Après, elle va aller prendre un bain de mousse, ça va la détendre. Et divertissement, bah, là, j'aurais pas le temps de faire grand-chose. Ah, voyons les prévisions chaud aujourd'hui, ils annoncent. Alors, je sais pas trop encore ce que ça fait. Je crois que quand, genre ton Sims, tu peux pas le sortir habillé chaudement quand il fait chaud dehors, ce qui me paraît un peu logique. Donc, faut que tu l'habilles plus léger, etc. Et en été, par contre, je sais pas. Là, peut-être qu'on verra pas l'été. Parce que. Ah, on est déjà au jour 3 sur 7. Ouais, on verra peut-être pas l'été. L'été, ça sera peut-être dans le prochain let's play. Mais l'été, je stresse d'avance. Parce que j'ai vu un let's play d'une personne là sur YouTube. Et il y a pas mal d'orages. Et l'orage, moi, ça m'angoisse. Donc voilà, ton Sims peut se faire foudroyer, etc. Donc moi, c'est un peu comme les incendies. C'est la panique. Donc voilà, elle fait les pancakes, elle va manger. Il est déjà 7 h 30, ça va être un peu compliqué. Ah, voilà Trévis qui se lève. Il va aux toilettes tout seul. On va le laisser aller aux toilettes. Et après, il va venir manger. On va lui dire de prendre une portion. Hop. Ah oui, j'avais pas nettoyé. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a là? Ah, incendie éteint. Oui, ouf, l'incendie est éteint, mais c'était vraiment très stressant. Je suis complètement d'accord, c'était très stressant. Non, il regarde la télé en prenant ses pancakes. Très bien, ça va lui remonter un petit peu. La télé étant un peu naze, le divertissement remonte très 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 lentement. Si j'aurais une télé plus chère et plus grosse, ça irait beaucoup plus vite. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, hein. Ok. Donc ils vont bientôt partir. Ouais, dans 1 h, les deux. Ce qui est bien, c'est que bah, du coup, comme ils sont toujours au même niveau, dans la même boîte, etc., ils ont les mêmes horaires. Mais je pense que Trévis va pas tarder à avoir une promotion. Au niveau des sous, on s'en sort pas trop mal. En même temps, on n'achète rien pour l'instant. Mais voilà, 2436, on s'en sort pas trop mal. Si je fais... Ranger, est-ce que il va le mettre au frigo? On teste, hein. Du coup, peut-être qu'on pourra en manger demain matin. Je sais pas si ça se conserve aussi longtemps, mais yeah, il met au frigo. Donc merci pour l'astuce, hein. On verra du coup si ça se conserve. Non, mais vous avez vu comment il a claqué la porte? Le mec, il est vénère, quoi.
Il m'a fait flipper. Ah oui, elle, divertissement. Waouh. On va peut-être leur faire faire un petit bisou. Ouais, non, à mon avis, c'est mort. Il est moins le cas. Avant de partir au boulot, j'allais dire, mais. Oh, allez. Embrasser un petit coup. Avant le boulot, au moins. Et puis après, c'est travail. Pourquoi ça a mis quoi là? Ah, c'est le calendrier. Ok. Ah, regardez. Donc là, on voit qu'on est mardi. Dadada, horaire de travail. Ah, c'est cool. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait le calendrier comme ça. Ou peut-être que c'est une nouveauté avec les saisons. Ou peut-être pas. Hein. J'ai peut-être jamais fait gaffe. Ajouter un jour férié. Ajouter un événement. Ah oui, on peut ajouter un événement au calendrier. Et là, par exemple, vendredi, c'est férié parce que c'est le jour de l'amour. Eh, c'est pas magnifique que ça soit férié le jour de l'amour. C'est trop cool. Après, en été, il n'y a rien. Là, c'est la fête des récoltes. On pourrait dire Halloween. Hein. Et la fête de l'hiver, donc Noël, on va dire. Voilà. Et puis là, le réveillon du jour de l'an. Oh! Par contre, Noël, je ne vous garantis pas que. On a peut-être eu des décos. Attendez. Je ne sais pas si, si on a eu des décos. Allez, alors, je vais regarder. Où est-ce que je pourrais voir s'il y a eu des décorations? Je suis un peu paumée. Décorations. Je sais pas si on. Ah! Couronne d'hiver. Ah oui, on a eu quelques décorations. Trio de citrouilles. Oh, le sapin. Sapin de grand magasin. Ok, pas si cher, hein? Pas si cher, le sapin. Ok, il y a eu quand même des petites décos. C'est ça que je voulais voir. Je vous laisse. Je reviens 2 secondes. Heureux, j'ai eu un petit contretemps. Alors, je sais pas si j'ai bien remis le micro. On verra. Alors, oui, donc on a des petites décos, donc ça c'est cool. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire à la base. Je suis pas sûre que je vais bien réussir à inviter plein de voisins. Parce que moi, ça me stresse quand il faut faire des grosses fêtes et tout. Parce que j'ai peur que les gens s'ennuient, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de décos et tout. Mais on essaiera de décorer au maximum la maison. Sans se ruiner, parce que on n'a pas trop de sous. Donc là, ils partent au boulot. Ok, là on va bientôt voir pour commencer à acheter une nouvelle table, etc., etc. Parce que bah on a un tout petit peu de sous et on voilà, si on peut acheter un ou deux trucs par jour, on va pouvoir faire ça petit à petit. J'ai toujours peur que le micro soit pas assez près ou trop près ou voilà. Alors divertissement, ah je pensais que ça allait la divertir un peu d'aller au boulot, mais non. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Ah oui, mes bouquins elle a déjà. Ou alors je. Ah! J'allais dire, ou alors je vais acheter une meilleure télé. Alors, attendez. Donc, lui, il a été promu. Donc, c'est lui, hein. Oui. Attends, 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 attends. Donc, Trévis a été promu forçat du code. Il gagnera désormais 9 Sims Flouz de plus par heure, soit 47 de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 506 et un disque dur d'ordinateur. Top. Sa prochaine journée de travail commence mercredi. Donc, demain, lui ne travaille pas. Très bien. Et 47 par heure, et c'est tout. Oui, j'ai vu que du coup, on pouvait revoir les. Non, et elle, vous voyez, elle n'a pas eu de promotion. Mais elle a réalisé une fantastique performance au travail, ce qui est pas mal. Du coup, allez, on va acheter un nouveau meuble et une télé, si on a assez. Parce qu'on a 3626. On va se faire ce petit plaisir. Qu'est-ce que vous en dites? Vous allez voir, petit à petit, on va changer cette maison. Et on va essayer de. Oh non, il y a trop de trucs trop beaux quoi. Et on va essayer de. Oh, 400, j'ai pu la vendre. On va essayer de rendre cette maison un petit peu plus. Conviviale, plus jolie. Alors. Alors attendez, parce que alors moi je suis paumée. Ah oui, on peut taper là. Meuble. Meuble télé. Je pense pas. Dans. C'est quoi meuble de patio? C'est un truc pour aller dehors? Bon, alors attendez, on va plutôt aller dans. Voilà. On va plutôt y aller par là. Bah non, c'est pas trop ça qu'il faut. Là-dedans, table d'appoint. On peut. Ah ouais, peut-être un truc comme ça. Je sais pas trop ce qu'on met bah, un meuble de télé, mais après tout peut plus ou moins servir de meuble de télé. Hein. Donc. Ah, j'ai pas remis mon petit compteur. Attendez. Parce qu'avec ces petites histoires.
Voilà, bon, ça sera dû à peu près, hein. Cet épisode sera peut-être plus ou moins long. Alors attendez, il faut un truc quand même assez large. Je sais pas encore trop en plus quel genre je veux donner. Moi, j'aimerais bien donner comme j'aimerais bien faire en déco plus tard chez moi, parce que là, c'est toujours en travaux, entre guillemets. C'est-à-dire très clair, avec du parquet par terre. Bon, là, il est un peu foncé par rapport à ce que moi j'aime bien, mais bon, très clair et bois. Voilà, les murs clairs, blancs et tout, et du bois. Bois clair, pas bois foncé. Donc, une table d'entrée, c'est grand comment ça? Ça fait peut-être un peu costaud, non? Et ça? Ça, c'est pas mal, ça fait un peu. Bah, ça fait bois, quoi. Si après, il y a en. C'est un peu clair. Ça, c'est pas mal? Non. Je sais pas. Ah, vous allez voir, je suis indécise, hein. C'est chiant. Ça, on peut pas choisir de couleur. Ah, ça, c'est un truc qui est en plus avec les. Je vous montre du doigt alors que vous pouvez pas voir. Mais c'est un truc en plus avec les saisons. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ou alors. Parce que ça, c'est un peu trop ancien par rapport à ce que j'aime. Je ne sais pas. Non, ça, c'est trop mastoc. Sinon, après, sur une table comme ça, on peut pas mettre. Ah oui, elle est costaud. Je voyais pas ça comme ça. Non, bah écoutez, il n'y a pas grand choix, je trouve. Ou alors, je suis pas dans la bonne catégorie, mais. Ah, ça, une table de coin, c'est super joli, mais bon, du coup, là, pas trop compatible. Ou alors, un canapé de coin, est-ce qu'il y a ça? Ah, il n'y a pas, dommage. J'adore. Enfin, j'adorerais qu'il y en ait un ici. Du coup, je sais pas du tout. Je trouve ça hyper haut en fait, ça comme meuble. Je voyais plus un truc plus bas. Ou ça fait un peu vintage. Ça fait bon, ça fait pas trop. Ça fait pas trop meuble pour poser une télé, mais bon. Niveau couleur, je sais pas. Peut-être blanc parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir du bois. Oui, j'ai trouvé comment tourner. Hein. C'est le clic droit de la souris. Pff, ça fait un peu trop vieillot. Oh, ou alors ça, regardez. En plus, il y a des petits livres en dessous. Niveau couleur, on peut mettre quoi? Ah, vous allez voir, quand il faut installer des trucs, c'est l'horreur pour vous parce que je suis indécise à souhait. Allez, ça, c'est pas mal. Ça fait un peu haut, mais je me dis si on met une grosse télé. Après, on pourrait peut-être changer un peu le. Mais j'aime bien comment c'est mis, en fait. J'ai été habituée à ça. Par contre, la table, quand on en prendra une, on la mettra peut-être plus là, au milieu. Canapé, donc. Ah non. Ah bah si, allez, hop, on va se faire plaisir. Parce que j'étais en train de dire, mais j'avais pas dit qu'on changeait de canapé. Mais on va aussi changer de canapé, allez. On n'a qu'une vie, soyons fous. Faut quand même que je surveille la thune, parce que. Voilà. Alors, canapé. Bah, j'aurais aimé un truc d'angle, mais du coup non. Peut-être juste un sofa comme ça. Parce qu'après lui. Ah, il est qu'à 500, mais. On n'a pas beaucoup d'objets, je trouve. Non? Après, voilà, ils font plein de packs d'objets aussi hein, que vous pouvez acheter. C'est pas des add-ons, mais c'est des packs avec des objets sur des thèmes précis. Je pense que j'en prendrai aussi quelques-uns si jamais je peux plus tard avec la petite cagnotte. Hein. Ce canapé là me fait penser à Ombrage de Harry Potter. Forcément, je suis sûre que ça serait tout à fait son style. Ouais, bah moi, mon style là, si je devais en choisir un pour chez moi, ça serait plus ça. Peut-être gris, hein. Voilà, ça c'est la couleur du mien à peu près. De mon canapé d'angle à la maison, j'aime bien. Ah oui! On est sur du. Oh! C'est un peu gros pour ma petite maison, non? Ah, je le voyais pas. Ou alors celui-là? Ah, c'est pareil. Hein. Ah non, attendez. Ouais, il est mignonné celui-là, vous en pensez quoi? Parce qu'il faut que je vois aussi par rapport à la taille de la baraque. Hein. Faut pas non plus. Là, ça faisait un peu costaud. Ça, j'aime bien. En plus, les accoudoirs sont un peu assortis avec le. Avec la couleur du meuble. Voilà. Ça, j'aime bien. On va le relaisser là. Peut-être changer de côté. Ah non, là, ça va les bloquer.
Non, bah on va le laisser où que c'était. Allez, c'était pas mal là. Peut-être il est un peu loin le... Non. On va laisser ça comme ça. La télé, alors. Parce qu'à la base, c'était ça qu'on venait acheter. Ah oui, on tape quand même sur du gros prix, quoi. Ah oui, il y a des télés que tu peux mettre au mur. Du coup, t'as pas besoin de meubles. Mais bon, on va prendre celui-là, qui est déjà pas mal cher. Et on va prendre... Ah, c'est pas si gros que ça, hein. Quoi? Pourquoi tu veux pas aller sur le meuble? Oula! Attends. Ah, parce que c'est, à mon avis, c'est pas un meuble adapté. Sinon, on prend un qui se met au mur, et puis ça sert de petit meuble. Ça peut toujours servir, on peut mettre une plante et tout. Bon, c'est plus cher. Mais, genre, ça se pose... Ça se met pas au mur, ça se met sur un meuble... Non, mais tu mets pas ça par terre. Attendez. Je pensais que ça se mettait au mur. Ou alors faut que je monte les murs, mais je vois pas le rapport. Ah, il y a la fenêtre. Il y a la fenêtre, les amis. Du coup. Oh là là. Du coup, si on bouge la fenêtre. Si on bouge la fenêtre et qu'on retourne dans les télés. Oh, on va bien finir par y arriver, hein. Est-ce qu'elle se met au mur? Non, pas du tout. Je pense que du coup, c'est pas du tout. Ah, si, il y a télé murale là. Mais 3005, ça veut dire qu'après j'ai plus de thunes. Ah oui, il y a moins cher. Combien? 2006. Allez. Banco. On va prendre ça. C'est centré par rapport au truc, je ne sais pas. On va dire que oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, c'est plus sympa, hein? Ça, vous voyez, c'est un peu le genre de truc qui me plaît en déco. Bon, le meuble du coup nous sert à rien, mais si on met un petit truc décoratif dessus. Eh, oh! Voilà. C'est pas magnifique ça. Bon, on n'a plus de thunes, mais c'est joli. J'aime bien. Bon, la prochaine étape, on changera de table et de chaise. On mettra une plus grande table. On achètera peut-être 4 chaises au lieu de 2, au cas où qu'on a des amis qui viennent nous voir. Et ben voilà, bon, on va rabaisser les murs, du coup. Voilà, tout ça pour ça, hein. On a passé 10 minutes à faire ça, mais bon. Au moins, c'est fait. Du coup, ah oui, au niveau du... Tiens, on va les faire regarder la télé. Au niveau du printemps, on n'a pas fait gaffe, mais là, il fait chaud, il est 19h. Lui ne bosse pas demain. Il va venir regarder la télé aussi. Donc, normalement, le divertissement devrait remonter. Qu'est-ce qu'il y a? Ils peuvent pas aller s'asseoir? Liberty Lee souhaite passer du temps ici. Ah, c'est la... C'était une des colocs à... La flemme. C'était une des colocs à Travis. Pourquoi ils peuvent pas aller... Pourquoi ils peuvent pas y aller? Ah bah si, bah alors. Eh mais des fois, ils sont bizarres ces Sims, je vous jure. Regardez la chaîne actuelle, vas-y. C'est la météo. Passion météo. J'ai le nez qui me pique. Désolé. Ah bah il neige. Alors je sais pas où c'est, mais c'est pas chez nous en tout cas. Est-ce que le divertissement remonte plus vite? Ça a l'air hein, quand même. C'est sympa. Bon, le canapé est un peu petit. On dirait un canapé pour enfants. Ils ont l'air super grands dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qui c'est qui va aller faire le manger? Alors, pas Travis, parce que je suis traumatisée. On le refera faire à manger et on reprendra le risque, hein, mais... Ah oui, prendre des restes. Ok, très bien. Bon, là, on va pas prendre des pancakes. Elle va servir le dîner et... Qu'est-ce qu'elle va faire? Allez. Ah, ça, je peux pas. Ah, si. Bah, ça, je sais pas ce que c'est, mais... Voilà. Comme ça, ils vont avoir tous les deux à manger. Elle, au niveau de ses besoins. Elle, il va falloir qu'on fasse aussi ça, là. Ah, elle peut rien faire pour l'instant. C'est parce que ça a cramé, ou... Ah, mais... Mince. Je pense que soit c'est pas encore fleuri, ou soit ça a fané. Parce qu'après, il y a... Elle peut récolter. 10 jacinthes. Ouais, je sais pas après si vraiment c'est utile.
Je sais aussi normalement en suivant les saisons, si par exemple vous avez un potager et tout, chose qu'on essaiera peut-être de faire plus tard, il y a des trucs que vous pouvez récolter que au printemps, que en été, que en automne. Enfin, les récoltes marchent aussi avec les saisons comme pour nous en fait. Du coup, c'est d'autant plus compliqué, on va dire. Mais bon, c'est le jeu, enfin, ça se rapproche encore plus de la réalité, c'est cool. Trévis, tu viens peut-être prendre une part. Ça a l'air d'être du poisson ou je sais pas quoi. Ouais, je pense. Poisson vegan, bien évidemment. Hein. Toujours, toujours. Tout le manger est vegan à la maison. Alors, prendre une portion. Bon, ce let's play n'aura pas été très palpitant. Mais au moins, on a une nouvelle télé. Ah, qui n'est pas du tout centrée au meuble. Attendez, parce que ça me stresse. Si on pousse le meuble. Ah! Ah! Ouais, mais après. Ah, on peut pas. Ouais. Ah ouais, c'est. Ouais. Bah, on n'a pas le choix. Ah, punaise, ça me stresse. Ah, ça me stresse. Je suis sûre qu'aussi, ça vous aussi, ça vous stresse. Bon, c'est pas grave. Hey. Je vois plus que ça. Ça me. J'ai envie de la pousser ou de pousser le meuble. Je sais pas, mais ça me stresse. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Hein. Tout. Oh, punaise. On changera de meuble. On mettra un truc plus petit pour que Ça ça tienne grave pile sous la télé, grand. je pense. Parce que là, ça me. Là, c'est. Non. C'est pas possible. Oh. Et puis elle, bah. Allez. Ils vont aller faire crac-crac. Ça fait longtemps, je pense. Je crois que vous avez jamais vu des crac-crac. Donc, moins de 18. 8-8. Partez. Lui, du coup, il va peut-être même pas aller. Il devait aller où là après? Ah, si, il faut qu'il aille aux toilettes quand même. Ah! Ah! Elle est partie s'endormir. Oups. Attendez, on va la réveiller. On peut pas la réveiller. Ah bah si, je suis bête. Voilà. Faire crac-crac avec Trévis. Le bébé, pas tout de suite. En plus, on n'a même pas de chambre. Donc, on attendra soit de déménager, soit de refaire une pièce. Mais ça va pas tarder, hein. Ah! C'était un de ses souhaits à elle, j'avais même pas vu. C'est vrai que je. J'ai pas pensé à regarder là. Bon. C'est parti. Je le fais parce que bah, c'est important dans une vie de couple, hein. Et puis après, ils sont super détendus, du coup. Voilà, ils ont l'humeur qui est. Qui est bonne. On va peut-être avancer un petit peu. Hein. Quand je vois à chaque fois ça, ça me rappelle trop les Sims 1. Parce que bah j'étais gamine, donc du coup, moi, ça m'amusait de faire ça dans les Sims. Voilà, c'était marrant. Enfin, j'étais gamine, oui, collège, donc j'étais gamine. Donc voilà, demain, lui, elle bosse, lui ne bosse pas. Si mes souvenirs sont bons. Elle ira direct aux toilettes. Mal à l'aise, oui. Ah bah regardez, elle a envie de récolter, c'est ça? Ah non, planter quelque chose. Ah bah ça y est, regardez. Alors, tu peux tout vendre. Vendre, tout récolter. Eh ben, on va faire tout récolter. Bon, elle a peut-être envie de faire autre chose dès le matin, mais. Oh, ah, vous avez vu, la barre de divertissement est à fond. Ce qui est peut-être aussi dû, non pas qu'à la télé, mais peut-être au crac-crac aussi. Hein. J'ai pas fait gaffe, mais c'est possible. Et Trévis, ça veut lui demander comment s'est passée la journée. On est le matin, c'est un peu tard, mais bon. Et lui, il va aller prendre un bain de mousse. Hop! Ah, c'est lui qui puait comme ça, j'ai vu un nuage vert. Mais comme j'avais mis en accéléré, j'ai pas fait gaffe. Hop! Alors, ah, on n'a même pas regardé la météo. Froid. Et il est 6 h, ça se trouve, elle va avoir froid. Elle va peut-être nous montrer qu'elle a froid, je ne sais pas. Quoique, elle est bien couverte. Hein. Donc, peut-être que ça va passer. Donc voilà, elle récolte. Bah, c'est quoi? C'est déjà sainte, c'est ça? Je ne sais plus. Oui, déjà sainte. Ah! Regardez, ça se trouve à se faire piquer. Il y a des espèces de. Je la laisse faire, mais. Je suis en stress. Quoi, quoi, quoi? Non, c'est bon? Bah, traîne pas trop. Ah, on peut pulvériser de l'insecticide. Bon, non, ça se fait pas. Quoique, ça a pas l'air d'être des abeilles, hein. Je sais pas ce que c'est, mais.
Bon, j'avais peur, hein. J'ai cru qu'elle allait pouvoir se faire piquer. Ah! Ranger. Est-ce que lui, il va pouvoir ressortir les pancakes? Pas sûr, hein. Prendre des restes, on va aller voir. Elle, du coup... Ah oui, attendez. Atteindre le niveau 3 de la compétence programmation. Non, ça c'est lui. Ah, on lui a toujours pas fait ça, donc elle n'est pas prête d'avoir sa promo. Programmation, donc c'est quoi? Lire. Lire, lire, lire. Ouais, il faut qu'elle... Attendez, il faut qu'elle lise quoi aussi? Faites-lui faire de la programmation sur l'ordinateur ou lire un livre sur la compétence programmation. Alors, lire. Lire, lire, lire. Je ne sais pas. Va falloir qu'on achète un ordi, hein, mais le problème c'est que... Ah, on voit les tâches du jour. J'avais même pas fait gaffe. Le problème c'est que... C'est que j'ai pas trop de place. C'est ça en fait le truc. Bah, et puis là, plus trop de sous pour le coup. Ok, bon, on verra plus tard. Le truc c'est qu'il faut quand même que je lui fasse. Vous pouvez acheter des livres sur les compétences directement dans une bibliothèque. Ok. Bon, on retient l'info. Du coup, elle va pas. Oh, c'est pas tout de suite encore. Ah, vous avez vu, il a pris les restes de pancake. Donc merci pour l'astuce. Voilà, au moins. C'est. Oula! Regardez-moi l'état de la salle de bain. L'horreur. L'horreur. Bon, niveau des saisons, ça va. Pour l'instant, on n'est pas trop déboussolé. Vous avez vu, le printemps, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de... Voilà, on est au jour 4 sur 7. Donc je pense que l'été, on verra le début dans le prochain let's play. Mais au niveau du printemps, ça ne nous change pas grand-chose. Hein, c'est cool. On ira aussi dans un prochain let's play se promener un petit peu. Ça, c'est sale. C'est encore... Ah bah, elle va pouvoir le nettoyer. Ah mince, elle n'avait pas fini. Dans un prochain let's play, on ira aussi un petit peu se promener dans la ville. On essaiera en tout cas. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de sortir, mais là, il y a quelques petits trucs et tout, donc on ira un peu se promener avec les deux. Oui, il y avait encore de la suie là de l'incendie. C'est pour vous dire que c'est pas très propre chez moi, quoi. Ça craint. Mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Du coup, lui, bah. Lui, il a pas grand-chose à faire. Faire les yeux ronds à quelqu'un. C'est dans quoi? Oh, essayer d'embrasser Soulgui. Ça, c'est pour Noël. C'est à Noël qu'on fait ça ou jour de l'an? Je sais plus. Jour de l'an, je crois. Je sais plus. Il est toujours sur son téléphone. Ah, faire les yeux ronds. J'ai trouvé sans. Sans faire exprès. Ah bah oui, mais ça va être compliqué. Elle se lave. Ah, puis elle a la faim aussi. Elle est où son hygiène? Ah oui. Alors, hop, viens là, Trévis. Il a plus l'action du coup. Faire les yeux ronds. Allez, va. Ça fait un peu flipper hein, quand même. Moi, le mec, il fait blablabla. Il dit ouais. Ok. Lui, il veut commencer une toile joueuse. Alors, attendez. Comme elle, après, elle va partir au boulot, on va lui faire faire ses trucs à lui. Ah, elle a faim et elle commence. Oh. Elle peut prendre un truc rapide, peut-être. Je sais pas, une compote. Ça doit pas nourrir des masses quand t'as beaucoup faim, mais bon, c'est mieux que rien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire comme toile? Il pense à un bonsaï. Est-ce qu'elle va avoir le temps de manger? Ça va être juste, juste, hein. Et après, il faut que je regarde l'heure, mais je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ce let's play. Oula! Oula! J'ai beaucoup trop dépassé. Je suis désolée.
Là, ça va faire vraiment l'épisode d'une série. J'ai beaucoup trop dépassé. Bon, je vous laisse ici pour ce let's play numéro 3. J'espère que ça vous a plu, même si on n'a pas fait grand-chose. Mais voilà, on va avancer petit à petit, comme ça, tranquillement. Et puis, sûrement que dans l'autre, on découvrira peut-être un bout de l'été. Et là, ça, ce niveau temps extérieur, ça sera peut-être plus marrant et plus intéressant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que de voir ma petite tête, même si à mon avis, je vais encore faire. Enfin, je vais avoir des tics, des grimaces et tout. J'espère que ça vous a plu. Ah, il a atteint la compétence niveau 2. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'attends avec grande impatience vos commentaires. Si vous avez des petites suggestions, des questions, je les note et puis j'y répondrai la prochaine fois. Enfin, lors d'une prochaine vidéo, parce que là, je vais enregistrer un second let's play. Et puis voilà, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!